on est en résidence ici à Saint-Nazaire au VIP. D'ailleurs, on est vraiment super bien accueillis, c'est vraiment cool. Là, on est plus dans le terme d'une pré-résidence en fait, parce qu'on prévoit de refaire une résidence en début d'année prochaine pour la sortie de notre nouvel album. Donc, parce que là, on est vraiment en train de mettre en place un nouveau show, light, enfin scénique, etc. Et également retravailler un petit peu le son. On a vraiment bossé aussi pas mal là-dessus, notamment sur le son de la guitare, pour vraiment commencer à vraiment proposer autre chose aussi pour donc la sortie de ce prochain album. Oui, j'ai vécu tous les line-up de Black Bomb depuis 1995. C'est sûr que ça a été dur des fois de voir partir des personnes et puis de voir en arriver des nouvelles, mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu, les envies de chacun, voilà quoi. Ça m'a fait évoluer, moi, dans ma manière de jouer, oui, c'est certain. Je regarde avec Jordan, qui n'a pas du tout le même jeu que Hervé, donc notre ancien batteur, c'est vrai. Bah, c'est aussi une autre découverte, quoi, une autre manière de pouvoir évoluer aussi, quelque part, musicalement. Quoi. Quand je vois, par exemple, enfin, la cohésion qu'il y a eu tout de suite pour écrire des morceaux, là, déjà, j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Ça s'est fait vraiment facilement. Et là, ce qu'on vient d'écrire, là, l'album qu'on vient de faire, justement, avec ce changement de line-up, Jordan, qui n'a pas du tout le même jeu, et Étienne non plus. Et je pense que ça fait partie d'un tout qui fait que c'est enrichissant, tout simplement, quoi. Voilà. Ah, moi, j'ai proposé des choses bien différentes quand même de ce qu'on a fait avant. Plus d'effets, etc., pour avoir un truc un peu plus actuel, je dirais. Tu vois, même au niveau des riffs, pour certains titres, tu vois. Il y a des titres qui ont un côté qui va rester encore très Black Bomb, avec des riffs très punk, hardcore, tu vois, rock'n'roll, etc. Mais dans un autre côté, on a fait une nouvelle page, vraiment, avec une identité un peu différente, mais sans non plus s'écarter vraiment de notre chemin. Après, on reste quand même Black Bombay, quoi, avec les deux chants, enfin, etc. Il n'y a pas de souci. J'étais déjà endorsé chez ESP il y a de longues années, mais là du coup je suis revenu chez ESP parce que j'étais très très intéressé par les modèles que j'avais déjà essayé via des amis, etc., qui sont également dans ces ESP. Donc là vraiment moi mon premier coup de cœur, parce que c'est la première guitare que j'ai eue donc de ce partenariat, c'est cette E2 NT1, donc qui correspond aussi complètement à ma config moi perso, qui est vraiment un micro, un potard, voilà quoi, très très rentre dedans, va tout droit, enfin au niveau du son en général déjà. Voilà, c'était vraiment impeccable pour moi. Et puis ce qui m'a beaucoup intéressé également, c'est le niveau de qualité de la lutherie. Surtout c'est sur ce modèle-là qui vraiment j'ai vraiment apprécié la chose, quoi. Donc je me suis vraiment tout de suite tourné sur ce modèle en premier lieu, quoi. Alors là, à l'heure actuelle, non, là j'ai deux modèles. Donc j'ai cette NT1 qui est ma guitare principale, vraiment. Et sinon, là, j'ai eu le modèle signature Kensuzi LTD, donc, avec un Evertune et un micro Fishman qui est vraiment génial aussi, qui a vraiment un son vraiment super bien, quoi, vraiment. Ce mélange avec le micro Fishman, c'est vraiment cool, quoi. Je trouvais ça vraiment bien. Donc voilà, pour l'instant, je suis sur ces deux guitares-là. Mais je pense que ma collection va évoluer, à mon avis. J'ai déjà des petites idées, mais je n'en dirai pas plus.